venu pour faire du canoë, c'est encore fermé. J'en peux plus, vivement que ça ouvre. Comme dirait Flo, ça brasse carrément. Et alors moi, ce brassage, il me remue intérieurement. Alors ça me demande encore un bon lâcher prise parce que avant que je commence les travaux, j'étais bien dans cette énergie de la nature, j'étais vraiment bien relié. Et puis les travaux m'ont ramené comme du passé, enfin c'est assez étrange, j'ai du mal à trouver les mots. Et là ce week-end, donc j'en profite pour me recentrer, me réaligner sur mes besoins. Et mes besoins, voilà. C'est là que ça se passe. Je veux dire, c'est la nature, les animaux, la nature. Voilà, c'est pas compliqué. Je cherche même plus à savoir pourquoi, qu'est-ce, parce que de toute façon, si le questionnement vient se glisser entre les milliards de mots qu'il y a dans ma tête, je vous dis pas le bordel, non, c'est tout de suite stop, c'est même pas la peine. Au début, j'ai cru que c'était parce que j'ai toute une procédure à mettre en place par rapport à un litige avec le voisin qui me prenait la tête et que je me suis dit, peut-être tu ferais mieux de laisser tomber. Enfin, des questionnements, comme d'habitude. Et puis, quand j'ai vu Flo, on a discuté un peu, puis après, je l'ai vu sa vidéo, j'ai compris que non. En fait, vu que j'avais pas de réponse à rien et que même mes questionnements, c'était du grand n'importe quoi, c'est juste parce que ça brasse et que là, effectivement, il y a des énergies qui doivent bouger bien. Et que du coup, j'ai essayé de trouver une matière pour mettre cette énergie. Mais en fait, merci Flo, parce que voilà, juste ça, ça suffit. Donc je vais rester dans cette nature, où je suis debout depuis 80 pieds du mat. Ça fait depuis le début de la semaine que c'est comme ça, je fais super tôt, je ne m'entends pas forcément tôt. J'ai eu un gros coup de raiment, un gros coup de mou, mais depuis j'ai compris que je manquais un peu de magnésium. Du coup, avec les petites ampoules, ça va nettement mieux. Et là, il fait super chaud. Le canoë est fermé, mais mes copines les vaches me montrent le chemin. Tranquille. Oh. Vous rendez compte la chance? Non, mais je vous remontre. Regardez cette étendue de pampa. C'est quand même un truc de fou, quoi. La chance que j'ai. Eh les vaches, on a de la chance, non? Regardez, oh tiens, je vais essayer de zoomer sur celle-là parce qu'elle est vraiment trop marrante. Avec ses cornes. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si on voit bien. Bref. Non, je sens bien que d'habitude j'arrive à capter assez fort et je suis en confiance tout le temps. Là, je sens bien que ça me demande de lâcher des... Quand on dit lâcher des schémas, je ne sais même pas de quel schéma il s'agit. C'est ça le plus marrant. Mais je sens bien que plus je pose mon cœur et ma pensée là-dedans, plus c'est vraiment faux. C'est plus la seconde, là. C'est comme s'il y avait une part de moi qui était déjà dans un ailleurs. Ça fait déjà un moment que je le ressens. Et que là, il y a encore... qui est renvoyé encore dans ce ailleurs. Donc